prenez conscience de votre dialogue intérieur on se parle en permanence prenez conscience de ce que vous vous dites comme cela en permanence c'est invivable les mots que vous vous dites vous vous dites des choses que vous ne diriez même pas à votre pire ennemi come on my friend ou plutôt wake up my friend les amis deuxième étape c'est de prendre conscience de tous ces vilains mots que vous vous dites en permanence j'y arriverai pas c'est pas possible et évidemment, qu'on a tous des pensées négatives toute la journée, c'est normal. Mais la pire, de la pire des choses à faire, c'est de les ignorer. Je ne vous dis pas qu'on peut supprimer notre, notre capacité à être négatif de temps en temps. C'est impossible. Oups, oh, mais ce qui va vous permettre de, 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 de vite redresser la courbe, de, de vous redresser, c'est de oups, oh, là je commence à devenir négatif. Oups, oh, terminé. Donc la pire des choses à faire, c'est d'ignorer ces pensées négatives. Vous comprenez Donc voilà pourquoi je vous dis la deuxième étape, c'est la prise de conscience. Euh, reconnaissez votre discours intérieur. C'est extrêmement important. Et au lieu de cela, ce que je vais vous demander, au lieu d'ignorer cela, c'est de reconnaître, d'examiner les causes de ces pensées négatives. Et évidemment, d'en tirer des leçons. Vous comprenez l'intérêt et ensuite de progresser, d'avancer. Mais la pire des choses, c'est de vivre comme une poule. « Ah oh ben moi je veux juste m'amuser, c'est de la connerie tout ça. Allez viens. Non, 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 moi j'y crois pas. Être positif, positif, positif. Ben bien voyons donc, allez viens boire un coup. » Mais, mais c'est dramatique parce que beaucoup de gens vivent comme cela. La plupart des gens passent plus de temps à choisir leurs vêtements le matin qu'à choisir leur journée. Ça, c'est spécial pour moi. Ça, c'est étrange.